Vous retrouvez pour ces nouveaux numéros de Salon Sport sur Kinactu, chers téléspectateurs. Bon week-end chez vous. Merci de rester avec nous pour vous informer, pour vous divertir, pour vous former également. Nous l'avons toujours dit, les sports, c'est le netball, les sports, c'est le basketball, c'est le boomball, c'est le squash, les sports, c'est la natation, le sport, c'est la boxe, les sports, mais pas seulement le football. Bienvenue dans cette émission Salon Sport sur Kinactu, le seul cadre idéal à travers lequel vous nous faites parvenir vos activités que vous organisez chez vous. Alors, très heureux, comme je l'avais déjà annoncé à travers nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, qu'on aura à parler tout au long de ce mois d'octobre, déjà, nous sommes déjà au mois d'octobre, de ce grand événement, de cette grande organisation qui a eu lieu en République démocratique du Congo, en République des Zaïre à l'époque. C'est justement le combat du siècle où tout le pays du monde avait les yeux braqués sur la République du Zaïre à l'époque, qui considérait la République du Zaïre comme une forêt et que le combat Bitumba, le combat du siècle, devrait se jouer dans la forêt. C'est pourquoi on avait les yeux en tout cas regardés sur la République du Zaïre à l'époque, comme on disait en anglais, « The Rumble in the Jungle », donc Bitumba et Bimi Nazamba. L'organisation du combat du siècle, vous le savez, c'était le 30 octobre 1974 où il y a eu Mohamed Ali et George Foreman qui se sont affrontés ici en République démocratique du Congo, un grand événement. Nous n'allons pas cesser de parler de cet événement tout au long de ce mois d'octobre. Bienvenue pour vous tous qui nous faites encore confiance, surtout pour vos orientations, pour vos remarques, pour vos suggestions, comment cette émission peut évoluer. En tout cas, nous vous disons très chaleureusement merci. Alors, vous allez voir notre thème qui sera affiché de moment à l'autre, mais bien avant de prendre notre thème, nous allons aujourd'hui encore vous montrer une autre image, n'est-ce pas, de Mohamed Ali qui a été aimé par le Congolais, vous vous rappelez, à l'époque, parce que déjà à l'époque, les Aïrois voyaient déjà Mohamed Ali et l'aimaient déjà, tant en tout cas, en voyant ses combats à la télévision. Les Congolais, les Aïrois à l'époque aimaient déjà Mohamed Ali. Et ce soir, vous allez être surpris en voyant le boxeur que nous allons recevoir sur ce plateau. En tout cas, c'est le descendant de Mohamed Ali, comme lui-même s'appelle, le descendant de Mohamed Ali. Vous allez voir qu'en tout cas, son style de combat, sa façon de faire les choses, sa façon d'être, en tout cas, sa forme, c'est vraiment Mohamed Ali que nous allons recevoir sur vous, sur ce plateau de Salon Sport. Bienvenue à tous. Alors, je vais d'abord le saluer. Glory Masoko, descendant de Mohamed Ali. Bonjour. Bonjour. Mbote. Mbote, cher journaliste. On dit Jambo. Jambo. Comment vous vous sentez? D'ailleurs, vous avez porté Mohamed Ali sur votre poitrine. Comment vous vous sentez? La santé, ça va? Oui, la santé, ça va par la grâce de Dieu. On est là. Mohamed Ali. En tout cas, je crois que les téléspectateurs qui vous regardent, que vous voyez Mohamed Ali, c'est pourquoi nous allons d'abord prendre la question avant de prendre notre sujet du jour. La question est là parce que nous parlons de la boxe, nous parlons de ce grand événement qui a eu lieu en République démocratique du Congo. Nous, on n'a pas eu le temps de vivre cet événement, mais il y a eu quand même ceux qui ont vécu cet événement. Mohamed Ali est immortalisé aujourd'hui à travers Glory et Masoko que je reçois sur ce plateau. Quand vous le regardez, vous voyez comme si c'était Mohamed Ali qui était là, que je recevais sur ce plateau. Alors il y a de grands événements qui étaient organisés, de grandes activités qui étaient organisées le jour-là. C'est pourquoi nous allons prendre notre panneau de la question. La question est là. Voilà, pour ceux qui veulent écrire, ils peuvent noter la question. Je demande de me donner le nom de celui du boxeur congolais ou du boxeur Zaïrois à l'époque qui avait livré son combat avant celui de Mohamed Ali et George Foreman. Donc il était le seul Congolais qui avait pris en tout cas le temps, de livrer son combat. Le seul combat Zaïrois, le seul Congolais qui avait livré son combat avant celui de Mohamed Ali. Vous savez comment on dit, les combats de lever des rideaux. On revient encore sur cette question pour permettre à nos Congolais de revivre encore cette histoire. Donc vous me donnez exactement le nom
du boxeur zaïrois ou congolais actuellement qui avait livré son combat avant celui de Mohamed Ali et George Foreman. Il y avait beaucoup de combats internationaux qui étaient organisés, mais lui était face à un, je n'ai pas voulu demander la nationalité de l'autre boxeur, mais c'est un Ghanaïen. Alors, vous me donnez le nom du boxeur congolais. Voilà, la question est là. On va revenir sur cette question au courant de la semaine. Et notre champion aujourd'hui va vous proposer un petit cadeau à la fin, n'est-ce pas? Même si on vous donne un petit stylo, c'est un cadeau. Même si on vous donne un ballon, c'est un cadeau. Même si vous avez, je ne sais pas, les gants, c'est un cadeau de la boxe ou je ne sais pas, protège-dents, je ne sais pas. Tout ce qu'il va nous proposer à la fin de cette émission. Alors, Glory Masoko Sindidi. Voilà, c'est votre nom. Sindidi. Voilà, c'est votre nom. Alors, vous êtes boxeur congolais, catégorie super moyen. Alors, vous êtes descendant de Mohamed Ali ou je ne sais pas, c'est quelle inspiration qui vous est venue de garder les cheveux comme Mohamed Ali et puis ton style de combat, c'est comme Mohamed Ali. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous est passé en tête concrètement? Bah, en effet, d'abord, quand je grandissais, j'aimais bien regarder le film de Mohamed Ali tourné par Will Smith. Exactement. Voilà. Mm. Ça m'a vraiment motivé. Et c'est comme ça que j'avais essayé d'entrer dans des salles d'entraînement, dans le camping, commencer à faire des entraînements. Et je me suis adapté au style de Mohamed Ali, comme j'adorais bien voir ce film et j'aimais aussi la personne, et c'est comme ça que je suis resté dans ce style. C'est votre idole préférée ou vous avez une autre idole à part Mohamed Ali? Non, bon, on dit quand tu aimes une personne, il n'y a qu'une seule personne qu'on aime. Mm-hmm. Voilà, bon, moi j'aime bien Mohamed Ali, c'est mon idole. Donc quand je fais la boxe actuellement, c'est pour Mohamed Ali. Je le fais uniquement pour Mohamed Ali parce que celui qui m'a donné l'envie de le faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez je crois que vous êtes un boxeur professionnel pour le moment. Alors, toutes les autres légendes de la boxe mondiale que vous regardez, et je me dis, qu'est-ce qui vous a plus attiré chez Mohamed Ali? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement en lui? C'est quoi? C'est son style de combat, sa façon de faire les choses, ou c'est juste par, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré vers Mohamed Ali? Et pendant ce temps, il y a beaucoup de boxeurs, voilà, de la boxe mondiale. Bon, ce qui m'a attiré le plus sur Mohamed Ali, c'est d'abord sa façon de vivre. Il était une personne motivée, avec des ambitions. Quand il dit une chose, et il va vraiment atteindre son objectif. Mm-hmm. C'est comme ça que moi, j'ai aussi aimé sa façon de vivre quand il vivait, parce qu'il n'est plus avec nous, là, il est déjà décédé. Mm-hmm. Et c'est comme ça que je me suis dit de marcher aussi dans ses pas. Très bien. Ah, Mohamed Ali et George Foreman, on parle de cet événement, je crois, Tokozong, dans la deuxième partie, justement, pour voir... qu'est-ce que les autorités, en tout cas, pensent organiser sur ces grands événements qui a eu lieu ici chez nous, bien que on n'a pas de acquis, on n'a pas de reste de cette organisation en République démocratique du Congo, ici chez nous, quand on essaie de voir le ring sur lequel était monté Mohamed Ali et George Foreman, ça n'existe presque pas, on ne sait même pas là où. J'ai même appris récemment que c'était déjà l'Afrique du Sud. Ouais. Ben, quand Mohamed Ali a battu Kinango Box, et ça va pire, on ne sait pas. Donc on va se poser toutes ces questions. Est-ce que vous avez eu le temps un jour, je ne sais pas, de rencontrer Mohamed Ali ou soit sa famille, par exemple, une fois? Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré même le membre de sa famille. Mm-hmm. Je sais qu'avec le temps, je vais les revoir. Ils vont aussi me contacter. On pourra marcher ensemble. Mais je ne sais pas, vous n'avez jamais rencontré sa famille, vous n'avez jamais rencontré même pas l'un des membres de sa famille, mais au Lingam Mohamed Ali,
le c'est par une obsession ou en tout cas moi je n'ai pas compris en tout cas il faut que vous expliquez par téléspectateur bien va comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est comme j'avais dit dès le début. Moi quand j'ai aimé le style de Mohamed Ali, ce n'est pas seulement sa façon de boxer, c'était une personne motivée qui faisait des choses. Quand il dit qu'il va atteindre son objectif, il l'atteint. Alors c'est cette façon là que moi j'ai aimé de marcher, sinon c'est pas. Donc il avait plusieurs choses à faire, mais c'était pas seulement la boxe. Mohamed Ali était un motivateur, un révolutionnaire qui donnait, qui réveillait les esprits. Voilà, c'était un peu ça ce que moi j'ai aimé sur Mohamed Ali. Donc à part la boxe, Mohamed Ali c'est une personne modèle pour moi. Très bien. Alors, quand vous montez parfois sur le ring lors d'un combat, au Miko Tsagana, dans cette peau-là de Mohamed Ali, ou bien ça a glory, ma soeur, pour garder tout le monde là. Là, vraiment, moi, je trouve ça un peu mystérieux parce que quand je monte sur le ring, c'est plus moi. C'est Mohamed Ali. Ouais. Là, je dis la vérité, ça peut. Je sais pas, les gens peuvent croire que c'est la fétiche, non. C'est quand j'entre comme ça, je me prends pour mon œil d'aller directement. Tu vas voir même les styles, même la façon d'esquiver les coups, la façon de réagir sur les rings, ça devient que lui. Et quand je descends, je redeviens moi. Alors je crois qu'avec des anges Zalazela, notre patron qui est à la réalisation, je crois qu'il va, au fur et à mesure qu'on va évoluer, faire vivre vous, chers téléspectateurs, ma photo, na montage Oyo, Glory Masoku, descendant à Mohamed Ali à Sali, na style à Mohamed Ali, à tes photos, à tes Mohamed Ali, ma commande, ma position. Vous allez voir ça, en tout cas, il n'y a pas de différence. On dirait que c'est le fils à Mohamed Ali que nous recevons sur ce plateau. C'est ça, cet aspect-là qui nous a beaucoup attiré. Et il faut vous dire que Glory Masoku, c'est pas la première fois que nous le recevons sur ce plateau. C'est un habitué de cette émission. Ça, c'est, je crois, la deuxième ou la troisième fois que nous le recevons. Mais c'est parce que durant ce mois d'octobre, nous allons parler de Mohamed Ali, qui est une grande légende de la boxe mondiale. Pourquoi pas aussi de George Foreman. En tout cas, vit son style, vit sa façon d'être, vit ce qu'il est aujourd'hui. Quand vous le regardez, vous vous dites, en tout cas, celui-ci, c'est un fils de Mohamed Ali. C'est cette raison-là qui nous a poussé à mettre encore la main sur lui pour tourner avec lui, produire avec lui cette émission d'aujourd'hui. Alors, comme notre sujet le dit, 50 ans après les combats du siècle en République démocratique du Congo, Mohamed Ali vit toujours. Donc, à travers son style, c'est pourquoi nous allons faire encore des recherches pour voir. Trouver encore un autre boxeur qui a ce style. Je ne sais pas, Glory, est-ce déjà arrivé à avoir quelqu'un d'autre comme toi? Ouais, il y a. Qui suit tes pas. Bon. Qui suit les pas de Mohamed Ali. Non, justement, qui est comme toi, qui suit les pas de Mohamed Ali. C'est ça. Il y a Ali Ilunga que je salue, c'est un champion. Ali Ilunga. Justement. Voilà. Un bon champion qui est aussi dans le pas de Mohamed Ali. Qui fait aussi des choses comme Mohamed Ali, il boxe aussi comme Mohamed Ali. Donc à part Ali Ilunga, je pense qu'il y a encore l'autre, j'ai oublié, mais c'est lui vraiment que j'aime aussi, on est avec lui ici à Kinshasa, c'est Ali Ilunga Bomaye, lui aussi il fait des... Je connais Ali Ilunga Bomaye, je crois qu'on va faire un effort, on peut s'en coordonner à être, on s'est varié très prochainement, parce que en tout cas je vais... En tout cas, durant ce mois d'octobre, immortaliser cette grande légende, cette grande icône de la boxe mondiale, Mohamed Ali, qui a fait la fierté de la boxe mondiale à travers ses combats du siècle. Alors, il est sur les mêmes traces, mais il n'est pas comme toi. En tout cas, toi, tu es en tout cas photocopie. Bon, lui-même, il a dit ça aussi. Bon, c'est pas seulement lui-même, il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui font des choses pour correspondre un peu comme Mohamed Ali, mais. Avec moi, ce n'est pas le cas. Moi, quand quelqu'un me voit comme ça, je ne me vante pas. Directement, il va faire de moi allusion à Mohamed Ali. Il dit directement, ah, là, je vois, c'est Mohamed Ali, le style. C'est parce que, et puis, au Tiki, au Katisuki, ceux que vous avez ébellé au Katilan, et puis, c'est ça. Mais quand c'est beaucoup, en tout cas, c'est vraiment la forme de Mohamed Ali, forme à mon tout, et puis, voilà, ça, c'est quand tu te mets dans sa peau, là,
comme on le dit dans la peau d'une autre. Et ça, la réalise comment? Ça t'a fait quoi concrètement à toi? Bon, ça me fait du bien d'abord d'imiter le style de Mohamed Ali. Mm-hmm. Ça me donne aussi une responsabilité. Parce que là, il y a plusieurs styles dans la boxe. Nous avons George Foreman. George Foreman, c'est le meilleur connu du monde, je peux dire. Dans le monde, il n'y a pas grand que George Foreman. Il était le champion du monde à cette époque-là, avant qu'il livre son combat. En matière de poignet, de crochet, il n'y a que George Foreman. Et on va voir la deuxième place, c'est Mike Tyson. Donc, mais quand j'ai imité le style de Mohamed Ali, là je le dis encore, c'est parce que Mohamed Ali était toujours une personne révolutionnaire. Donc moi j'ai imité son style parce que il était une personne révolutionnaire et puis il réveillait des esprits. Quand je dis des esprits, c'est pas des esprits morts, des esprits qui sont vivants, des gens qui sont pas encore, qui sont inconscients, tu vois. Donc les noirs, il était là d'abord pour les noirs. Il a beaucoup combattu pour les noirs, les racismes, il a beaucoup combattu pour ça. Et il n'aimait pas aussi ce qu'on dit, là, on dit quoi, l'esclavagisme. Mm-hmm. Voilà, c'était un peu ça le but de Mohamed Ali sur Terre. Et à travers ce truc-là, qu'il a aussi associé toutes ces idées-là dans la boxe. C'est comme ça qu'il avait dit que non, je fais la boxe pour combattre et pour réussir, pour réveiller les esprits. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Alors... je ne sais pas, Mohamed Ali, Glory, Massoko, descendant de Mohamed Ali, est-ce que, non seulement, comme tu le dis, tu n'as pas seulement copié le style de Mohamed Ali, mais tu t'es aussi intériorisé l'idéologie, ses valeurs, ses valeurs humaines, ses valeurs sportives, ses valeurs culturelles de Mohamed Ali. Est-ce qu'il t'arrive aussi à perdre des combats parce que tu as copié Mohamed Ali? Ça veut dire que c'était un grand champion, quelqu'un qui est déterminé. Et tu es arrivé déjà à faire combien de combats professionnels? Mohamed Ali, bon, je commence d'abord parce que là on parle de Mohamed Ali. Voilà, Mohamed Ali c'est une personne simplement, tout simplement une personne comme nous. Voilà, il a perdu des combats. Comme moi aussi j'ai déjà perdu des combats, mais c'est pas beaucoup qu'on perd. Moi, je ne perds pas trop de combats. Combien, si ce n'est pas un secret, on est à la télévision. Il y a que deux combats que je perds. Deux combats perdus. Voilà. Sur combien de combats déjà livrés, amateur, professionnel. J'ai rassemblé le tout, et l'amateur et le professionnalisme. Je peux dire qu'il y a deux combats. Surtout le combat, il y a maintenant 15 combats. 15 combats que je fais. En professionnel, c'est 9. À l'amateur, je n'avais pas vraiment trop fait des combats parce que quand je suis entré à l'amateur, il y avait mon coach qui m'a dit que non, l'amateur, ce n'est pas vraiment un truc pour toi. Comme tu as déjà un bon style comme ça, on doit te mettre directement dans le professionnel. C'est comme ça que je suis monté de niveau et je suis resté là. Et parmi vous regrettez d'avoir perdu ces deux combats? Bon, je regrette. Ou c'était une mauvaise préparation? Oui, c'était une mauvaise préparation, disons. Je regrette aussi parce que c'était le début. Hein. C'était dans le début. Le premier combat que j'ai perdu, c'était en amateur, le début. Le deuxième combat que j'ai perdu, c'était en professionnel. C'était mon premier combat professionnel, je pense. Mais j'avais bien boxé. Et puis, je n'avais pas boxé avec ma catégorie. J'avais boxé avec une catégorie élevée par rapport à moi. Là, j'étais encore mi-lourd. Mais j'ai boxé avec une personne qui était dans le lourd léger, dans le non. On a 6 kilos comme ça. Moi, j'étais dans les 80 kilos. Mais j'ai boxé avec lui. Enfin, à vrai dire, j'avais bien boxé. Mais comme lui, il partait défendre une ceinture, il n'y avait pas moyen que moi, je puisse aller. Parce que moi, je suis dans la catégorie des 1000 loups. Juste une boule de jeu. La personne qui devait faire ce combat-là avec le type en question, il avait fui. Parce qu'il avait peur de ce type-là. C'était un lourd-là très coriace. Il était vraiment... Très puissant. Très puissant. Voilà. Et moi, j'ai signé ce combat-là. Il m'a pas mis KO, il m'a jamais fait toucher les tapis. Il a gagné au point. Il a gagné au point. Et lui-même, il s'était étonné. Juste à présent, si je l'appelle, il me dit non, toi, t'es phénoménal. Glory et Massoko, c'est celui que je reçois sur ce plateau dans le cadre de cette émission, c'est le sport.
descendant de Mohamed Ali, parce que nous parlons de Mohamed Ali, et surtout de ses 50 ans après les combats du siècle en République démocratique du Congo, Mohamed Ali vit toujours à travers ses œuvres. Comme on a toujours dit, l'artiste ne meurt pas, ses œuvres sont là, et vous pouvez voir Glory Masoku Cindy D à travers ses œuvres. En tout cas, c'est le style de Mohamed Ali. Est-ce que vous avez pensé, parce que vous intériorisez non seulement son style, non seulement son apparence, mais aussi ses idées, vous avez pensé à une école quelconque, un petit centre de formation, une petite école de formation, ou un club, un cercle de formation où vous pérennisez les actions de Mohamed Ali? Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait un club, je ne sais pas si ce club existe encore, au stade Tata Raphaël, juste du côté entré de... quand on vient avec Matongué, ouais, voilà, il y avait un club, c'était écrit Mohamed Ali, ouais. Mais lorsqu'il y a eu réflexion pour de travaux du stade Tata Raphaël avec le jeu, 9e jeu de la francophonie, je ne sais pas où ça traîne encore ce club, mais c'était une référence pour nous, c'était écrit même là-bas au mur, club Mohamed Ali, ainsi de suite, on l'avait même dessiné. Alors, vous avez pensé à un club ou, je ne sais pas, à une école où vous pouvez facilement pérenniser petit à petit le style de Mohamed Ali, parce que quand, si vous n'existez pas aujourd'hui, je ne le souhaite pas, après 10 ans, 5 ans, je ne sais pas si le style de Mohamed Ali sera encore pérennisé. Là, vous avez dit un truc très important. Bon, le style de Mohamed Ali, moi, j'apprends ça aussi dans mon club d'abord. Mm-hmm. Il y a des petits qui grandissent déjà. J'ai plus de 5 petits. Donc, okay. Même sont des bons stylistes. Au futur, ils vont devenir des grands champions avec les styles de Mohamed Ali. Très bien. Donc, je fais toujours un effort de partager ça. Comme moi, je l'ai reçu, et moi, si je dois donner à toute personne qui a besoin d'avoir des styles en question. Très bien. Là, c'est une bonne chose. Je crois qu'avec la réalisation, les téléspectateurs sont en train de voir votre style de combat avec ce montage que nous avons réalisé face à Mohamed Ali. Vous-même, on voit ces photos, on voit ce style. En tout cas, on se dit que c'est vraiment Mohamed Ali qui vit encore. Mais malgré cet encadrement, ne sème pas à un grand pourcentage. En tout cas, vous avez cité 5. Et pourtant, normalement, si c'était le travail que les autorités devraient faire, peut-être pérenniser les acquis, en tout cas de ces deux grandes icônes en République démocratique du Congo, mais nos autorités ont une certaine négligence aujourd'hui. On ne sait pas, en tout cas, voir un club, on s'est dit, en tout cas, ça c'est le club de Mohamed Ali avec son style. Mais vous, vous êtes là, mais cette formation, cet encadrement s'est fait, mais à un moindre pourcentage. Ouais, 5, c'est peu. Je paye, oui, je paye. Bon, je peux dire quoi. C'est dommage. Pour notre pays, le sport, vraiment, on ne lui donne pas de la valeur. Et ils préfèrent prendre l'argent, aller faire, je sais pas, des routes en question si on ne fait même pas. Ils préfèrent prendre l'argent, aller mettre dans leur poche. Et que soutenir les actions. Voilà, c'est ça. Ils devaient soutenir les actions. Surtout le jeune. Le jeune dans le sport. Voilà. La culture, d'abord dans le sport. Nous avons de bons talents qui pourrissent, il y a des talents qui pourrissent, même pas dans la boxe seulement, dans tous les sports, les judo, le football, le basket, et tout ce que vous avez cité comme sport là. Et les autorités ne nous voient pas, c'est dommage. Moi je vais juste leur supplier de revenir en nous, voir notre capacité et on peut faire de grandes choses. Là nous disons que la boxe commence à prendre une place à travers Junior Ring Mamakabu, qui a déjà boxé aussi, un grand champion, et il est déjà à sa fin. Mais là, il y a la relève, Martin Bakole, le grand champion, le lourd qui va devenir un champion du monde d'ici là, que tous les lourds ont peur de boxer avec. Voilà. Donc c'est comme ça. Il est congolais, il a la volonté de boxer, il a tout ce qu'il faut pour boxer. Et il revient ici au Congo, il voit le gouvernement, il y a des complications. C'est dommage, c'est la honte, c'est pas ça. Pourtant, il faut venir, et il faut qu'il puisse venir vers nous pour nous donner aussi la chance et voir comment nous allons développer avec le sport. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo aujourd'hui
continuer encore à regorger des talentueux à travers la boxe? Est-ce qu'il y a vraiment des très bons boxeurs qui, s'il faut mettre des moyens, seront vraiment de grands champions? Il y a plusieurs boxeurs, je peux dire même 10 000 boxeurs. 10 000, je peux dire. Dans mon club, tout le monde est bon. Là où je marchais, je suis parti à Dili, je suis parti à Limité. Dans tous les clubs que je suis passé, je vis toujours de bons boxeurs. Donc, les Congo a des boxeurs pas comme possible. On peut dire, on peut se comparer à la Kiba. Parce que la Kiba, c'est le premier pays après, je vois, la boxe amateur d'abord. Okay. Après, les États-Unis, la Mexique. Le Mexique, pardon. Voilà. Kiba vient en troisième position. Kiba vient en troisième position. Donc, nous, on peut se comparer avec la Kiba. Sans saut. Par rapport à la boxe amateur, voilà. Ou par rapport à la boxe professionnelle? Non, même boxe professionnelle, boxe amateur, il y a sans saut. On peut bien boxer avec eux. C'est que, en tout cas, le monde peut encore espérer en République démocratique du Congo à travers la boxe. Là, je vous rassure que nous avons du. Non, à part, comme vous avez dit, à part Martin Bakole, à part Junior Makabu, mais il y a encore cette autre vague de boxeurs qui viennent. Il y a le Eric Katompa, il y a le Peter Kabichi, il y a le Glory Massongo qui viennent, il y a les Ali Bomaye. Donc, cette génération-là qui vient, c'est pourquoi j'ai demandé si. Le monde peut encore espérer à travers la République démocratique du Congo par rapport à la boxe. Oui, c'est ça. Quand je parlais de Martin Bakole, je disais dans la catégorie reine. Parce que la catégorie reine, c'est le lourd, le super lourd. Et quand je vois les grands juniors Makabu, c'est la catégorie lourd-léger. Ça vient à la deuxième position. Mais quand nous descendons jusqu'au super léger, poids plume, moyen, il y a plusieurs champions. Nous avons. Notre champion, le président Eric Katomba, qui vient de combattre en Russie. Il a fait un bon combat. Nous avons le champion Matete Balo. Nous avons le champion Zengala Boniface. Il y a beaucoup de champions. Il y a beaucoup de champions. Donc, les autres, même, j'oublie les noms, mais il y a beaucoup de champions que je peux dire. Très bien. Merci. Alors, nous allons continuer cette émission. Comme on nous fait signe que, voilà, nos minutes sont en train de tendre. On a encore assez de minutes pas pour terminer cette émission. Merci à Des Anges Zanazena. Moi-même, j'avais oublié cet aspect. Merci de me rappeler. Merci beaucoup. Alors, comment vous faites actuellement pour, je ne sais pas, à votre niveau, je crois justement que c'est l'État qui doit prendre cet aspect-là, justement à votre niveau, pour essayer de pérenniser, ce n'est pas pérenniser, mais de parler pendant ce mois d'octobre de Mohamed Ali. Et surtout vous personnellement, je ne veux pas aller vers l'État ou vers la Fédération, en tout cas je ne sais pas qu'est-ce qu'il prépare et par rapport à cet aspect-là, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, quand on vous regarde, on voit l'image de Mohamed Ali, qu'est-ce que vous comptez faire durant ce mois d'octobre jusqu'au 31 pour, je ne sais pas, commémorer ou le CA d'un cachet spécial ce mois d'octobre? Voilà, selon moi j'attends juste qu'on puisse m'appeler parce que je devais faire un petit combat là, juste on peut dire une exhibition le 30 octobre. Mais j'ai déjà préparé, je suis déjà en forme, là je commence déjà à faire des entraînements. Je sais que dès qu'on arrive le 30 octobre, on aura à faire. L'exhibition, après l'exhibition, on va organiser une soirée. On va parler de Mohamed Ali, Georges Foreman. On va parler de la boxe, le classement de la RDC au niveau mondial. On va fêter, on s'y ressemble parce que les 50 ans, c'est déjà le demi-siècle, ça s'est fait. Alors, on attend que ça. C'est comme ça que nous sommes là, en train de préparer. Là, c'est une organisation personnelle dans les cadres de votre club c'est dans les cadres de notre club. Et l'idée vient de moi. C'est moi qui avais donné cette idée-là. Que nous puissions faire une exhibition. Après, on va être ensemble. On va parler de Mohamed Ali. On va fêter. Parce que c'est les 50 ans. C'est déjà un demi-siècle. Ça s'est fait. Donc, c'est un peu ça. Et là, comment sera organisé? Avec vos propres moyens? Je ne sais pas comment vous allez le faire. Bon. On va le faire avec nos propres moyens, c'est ça, on doit le faire avec nos propres moyens, parce que là, on n'a pas encore eu des appels,
au niveau du le ministère du sport, chez d'autres gens de bonne volonté. Il n'y a pas encore eu des appels, mais nous-mêmes, là, on est déjà prêts, on commence déjà à cotiser, à rassembler, qu'est-ce qu'on pourra avoir à la fin pour organiser ces trucs. Très bien. Là, en tout cas, je dois vous appuyer ça. Est-ce que c'est aussi l'occasion de lancer un message à travers les gens de bonne volonté qui ont assez de moyens, qui peuvent venir vous soutenir? Je crois que vous pouvez regarder la caméra, profiter pour que, en tout cas, pour soutenir cette action. Moi-même, je vais vous appuyer, comme je l'avais promis, je vais vous accompagner durant tous ces mois d'octobre pour immortaliser encore Mohamed Ali à travers vous. Vous pouvez quand même profiter de cette occasion, voir même le président de la République, lancer l'occasion, la cadre de la fédération. Elle est bien la cadre de Yomoko, la club de Yomoko. Par ta bonne volonté, pour soutenir yo, t'organiser le Kwana, hein, à ta bama combat, bama sparring betama, hein, car on est les pour que tout ça quand même honneur à Mohamed Ali. Je crois, ça c'est à mon niveau, que fédération a évité ce que ça allait aux autorités, bah éviter que le 30 octobre à ton célébrer 50 ans, je sais comment nos autorités parfois banalisent les choses, mais dans ton cas, je voulais que vous puissiez faire ce message. Voilà, chers téléspectateurs. Je me présente encore, je suis Glory Massoua Koussine Didi, le descendant de Mohamed Ali. Voilà, je vous fais appel, les gens de bonne volonté, si vous pouvez nous aider. Le 30 octobre, ça s'est fait, c'est le 50 ans, le 50e anniversaire de Mohamed Ali, Georges Foreman, le combat du siècle, qui a eu lieu ici à Kinshasa, au Congo, ex-Zaïre, c'est ça. Voilà. Alors, nous vous attendons. Nous, Cyprien, si vous avez le moyen de venir nous aider, soutenir cet événement, nous vous attendons à bras ouverts et le bon Dieu vous bénisse. Merci. Très bien. Je voulais que vous, parce que ce message, ton katakatango, ton singa des anges, katango, tout ça, va partir, moi, Mike, ma photo, ma mère, tout ça, pour que les gens écoutent. Je voulais que tu fasses le même message en Lingala, je ne sais pas, en Kikongo ou en Chuluba, en Swahili, pour que les gens suivent. Moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je vais vous inviter sur ce plateau. Vous allez encore très prochainement revenir, oui. Parce que cette figure déjà dit beaucoup. Revenir encore, on va voir d'autres aspects. Il y a l'organisation de ce combat et surtout de cette activité pour que, en tout cas, ma moyen est là. Tu organises en tout cas, à moi quelque chose, moi et bien le 30 octobre. Mbote na biso banso, bala Congo. Mbote na papa Mokondi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, on fête 50e anniversaire. Là, il y a 50 ans, il y a 50e anniversaire. Il y a combat du siècle, Bibotu, Betamaki, Nazamba, Nazaïr, précisément, la Kinshasa, la stade Tata Raphaël. De la Kéti. Voilà. Les événements, mon coeur, mon nene, ils ont senga, bas soutien à Binou. Tata, mon Konzamboka, et pour le RDC, au Sengi Nayo, au Talapé, et le Kouana Nene, il faut y saler. Parce que là, 50 ans, mon nom est vu que le 30 octobre, le combat mon conseiller m'a dans le Congo. Vraiment. Il faut que maman que le Congo ils ont ces jours dans le combat wana. Ils ont combat du siècle. Là nous boxe 100 ans de plutôt sur le 21e siècle là nous boxe à monter. Vraiment. Nous allons dans le siècle wana. Il faut tout fêter. Alors de ce n'est pas nous. Nous sommes dans le club, nous sommes déjà dans le sang ici. Mon maïs les plutôt ça là et le Congo. Le 30 octobre. Bah toi midi on va là vous ministre des sports. Didier Boudimbo, ministre de sport Didier Boudimbo, papa Didier, Tosengi Penabino, Soki Bogoben, Sabiso, je suis là, en même en personne, le descendant de Mohamed Ali, Nabozalawana, Nicolo Arin, Ponasala, Bilo, comme Mohamed Ali, à Salaka de 30, flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Donc, Tosalawana, Tosengi Nabino, Tchabiso Maboko, merci, Nzambe, Apambola Bino. Très bien, alors. Je crois que c'est en tout cas le message commis. À part Lingala, au cours de la monnaie, mon nom se soutient. En Kikongo, en Swahili, en Chuluba, parmi les quatre langues nationales. Quatre langues nationales. Vous avez d'abord utilisé une, c'est le Lingala. Chuluba ou Kokate? Chuluba, moi je ne sais pas. Kikongo. Kikongo, je connais. Swahili. Je connais, mais je. En Mekana, à Kikongo, comme ça. Pour que, en tout cas, le message en est commun par rapport à cette sensibilisation. Bon, Kikongo. Non. Alors, je voulais que tu puisses sensibiliser le boxeur Nyonso. Il y a la commission, commission des athlètes. Je salue le président Eric Katon Pachimanga. Hein? En tout cas, Vinanga, très fort.
Je crois qu'il faut aussi que na plateau pour tout bêta de Solowana. Alors, je voulais un message, une sensibilisation à tous les boxeurs qui te suivent et par rapport à cette commémoration du 30 novembre. C'est une grande légende. Et 30 octobre plutôt. Et parce que tous les boxeurs qui s'y connaissent, Bino, devraient venir. Tous à la tana misé morobo ya Mohamed Ali na George Foreman ata bagana bango ba beta ki na ngo box ata ring avant que le beta ta combat na yo yo na fukami liboso ya ring wana aussi na ta ring wana parce qu'il y a une puissance qui est restée, il y a une valeur qui est restée, mais nous sommes restés comme ça, rien n'est fait. Je crois une sensibilisation à tous les boxeurs qui te suivent aujourd'hui. Voilà motena bino biso motena biso non motena biso batuya comité des athlètes pour mon co-fight la en commençant par le président Eric Katon Pachimanga et le secrétaire Josmi Mandila. Très bien. Avec notre trésorier El Rey Junior Abouni Djoudja. La Pessibino Mbote, la Sengina Bino, Tozalaka pour mon co-fight, la Pessapé Congo, l'initiation de la Bisso pour mon co-fight. Voilà, tu as préparé pour mon profil de Ezoé à Kanate. Très bien. Le président Eric Katompa, na équipe na Mobimba, bah ça déjà na pour la pied d'œuvre. Déjà qui toque. La bimbe à l'emba. Cette fois-ci, bon, Katengate. Ouais. Faut à la solo. On a tout Mobimba, il faut à la police en droit en direct pour moi. Merci, donc, merci beaucoup. Vous allez vraiment me voir, je ne sais pas, ce va vous surprendre, mais ce peut pouf, on peut les 30 oui. Bah, on devait en charge. On ne sait pas encore. Très bien. On attend seulement les rappels. Donc, il y a na biso banso to zalaka ka bomoko yango na petit bino bambote belé na ila bino ya trop tambe pa mola bino. Merci. Merci, mais avant de terminer, dans quelques minutes, une minute, parle-moi de ton club rapidement. Avant de passer à tout salam, parce que vous, en tout cas, avec toi, ce ne sera pas la première fois que je vais te recevoir. On va planifier les émissions tout au long de ce mois d'octobre pour parler de Mohamed Ali, parler de cette organisation. Club Nayo. Mon club. Ouais. Voilà, mon club se situe à Montferry, Club Boxing Chaleur. Où est Simamina Cap GTM Chilumba. Ok. Nous avons entraînement, nous faisons entraînement du lundi au samedi, de 6h à 7h30. Nous avons entraînement pour le matin, le soir ça commence à 16h30 jusqu'à 18h30. Très bien. Du lundi au samedi. Ok. Voilà. Maintenant, nous avons, je n'ai pas oublié, nous avons le capitaine que je salue, notre capitaine Fiston Baya Oudanze. Très bien. Le champion. Oui, il y a club Nayo. Ouais, ouais. Mais il faut jouer mon Zwanga, dans ma caméra, tout comme on a club, dans mon appel. Oui, comment oui, ça se fait, c'est un très bon champion. Il y a des grands champions là-bas. Nous avons notre champion qui va aller combattre au Katanga, champion Lewis Ngalamouloumé. Champion Lewis Ngalamouloumé. Et soit du club Chaleur. Oui, du club Chaleur. Très bien. Il y a des gens qui vont combattre. On a pêché une bonne chance. Il y a un coffre qui est à Moussa, là où tu joues pas à Cap, je t'aime. Et au Sala Kito. Très bien. Alors, Pessa, deux personnes, trois personnes, beauté aussi de ça, cette émission qui était vraiment consacrée à cette image de Mohamed Ali que je suis en train de voir sur ce plateau. Voilà, je remercie d'abord les bondiers. Merci. Après tout, je vais saluer mon big manager Derek Leta et sa femme, Madame Naomi Leta Feza, Bamote Bélé, jolie couple. À part eux, je vais saluer aussi. Mon père Jean-Paul Massouakou, ma mère Berthe Kapinga, et je salue tous les Congolais partout là où vous êtes. La bisou dans les labines à trop, la bisou dans les labines à moi. Merci. Merci. Nous terminons cette émission qui a été consacrée aujourd'hui à l'image de Mohamed Ali que je passe sur ce plateau à travers Glody Massouakou, ce jeune talentueux de la catégorie super moyen, mais qui fait de la fierté de la boxe congolaise. Cette image, quand vous la regardez, vous avez l'impression que vous êtes en face de Mohamed Ali. Son style, sa façon d'être, il est même habillé en t-shirt Mohamed Ali. C'est en tout cas une fierté pour nous. Quand nous parlons de cette légende, j'ai voulu mettre la main sur lui, mais c'est avec lui que nous allons, tout au long de ce mois d'octobre, continuer à produire différentes émissions. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle, pourquoi pas à des anges Zanazena, Aris Matondo L4, les seigneurs Patient Goy, Light Montange, en tout cas merci. Je vous salue de toute la grande équipe technique, pourquoi pas équipe rédactionnelle. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro, mais nous allons continuer à parler durant tous ces mois d'octobre de Mohamed Ali et George Foreman, surtout de ces combats du siècle. En tout cas,
Ali, descendant de Mohamed Ali, en tout cas, merci d'être là. Merci. Nous vous voyons très prochainement, on va continuer à parler de Mohamed Ali. Voilà.